can he become the Open Olympic champion, Sylvain André? Voilà, améliorer le résultat de Tokyo à Paris, de voir mettre plus de public, plus de Français, plus de familles, ça serait quelque chose de sympa. Ouais. Bonjour, Sylvain André, 29 ans, membre de l'équipe de France de BMX Race depuis une dizaine d'années, sudiste, papa et amoureux de la compète. J'ai été 4 fois médaillé d'affilée au championnat du monde, dont un titre en 2018. J'ai été 3 fois champion de France, 3 fois 3e au championnat d'Europe, j'ai gagné le général de la Coupe du Monde, j'ai fait 4e au dernier JO. Clean start, the men's Olympic Games BMX final 2020, here we go! C'est dommage parce que mathématiquement, on aurait dû faire mieux. Après, je risquais de voir, mais tombe un peu tout seul. Et pour ma part, je m'accroche en fait avec lui dans le premier virage en voulant le serrer et sortir avec de la vitesse et plus personne derrière moi en tant que troisième. On s'accroche, je manque de sortir du virage et voilà, bon, après je suis dernier, c'est les JO, je lâche pas, je reviens comme je peux et voilà, ça finit short, mais ouais, la course elle était déjà mal embarquée à la sortie du premier virage. Alors, selon le nombre de pilotes, on commence en 32e de finale, 16e, 8e, peu importe. On part, les 4 premiers passent, les 4 premiers avancent au tour d'après. Allez, c'est parti pour cette finale, homme, avec le bon départ. Sylvain André a fait un très bon départ, mais on le voit, Nick Kidman à l'extérieur qui a réussi également à s'imposer à la sortie du premier virage. Et ça jusqu'à la finale. Mais voilà, la base du BMX, c'est qu'il faut être dans les 4 premiers à l'arrivée. Et en général, ça se passe bien. Le format de piste, il est plutôt standard. Il y a le départ qui est à 8 mètres de haut, il y a 4 lignes droites, reliées par des virages en goudron. Et le tour fait 350-400 mètres pour un temps entre 32 et 36 secondes. Et on fait ça, selon le nombre de pilotes, 6-7 fois dans la journée. Au JO, il y a beaucoup de sports où il n'y a pas tout cet équipement. On a le casque, on a le vélo, machin, donc je pense que ça rajoute un petit truc. Et après, c'est assez simple à comprendre. Les 4 premiers, ils sont qualifiés au tour d'après. Il y a de l'action, il y a 2-3 chutes, donc forcément, ça plaît aussi. Et voilà, c'est sûr que Tokyo, ça a mis un coup de boost. Et malheureusement, finalement, le fait qu'on soit 3 en finale sur 7 et qu'on ne fasse pas de médaille, ça a fait plus parler. Donc, est-ce que toute pub est bonne à prendre, je ne sais pas, mais peut-être que si ouais, on avait fait 2-4-6 classique, est-ce qu'on aurait parlé autant, je ne sais pas. L'explosivité, parce qu'il faut sortir de la grille en premier. Un minimum d'endurance, parce qu'on répète les efforts, des efforts très intenses. La lucidité, parce que quand on est en course, ça adapte toujours. Parce qu'on n'est peut-être pas devant, on est peut-être derrière, il y a peut-être un type qui ne sait pas trop rouler devant nous. Donc en fait, on fait que s'adapter pendant 35 secondes, pas avoir peur. On a pas loin de 50 à l'heure, sur des bosses de 10-12 mètres de long, ça envoie. Regarder pendant 2 semaines la télé et tous les sports, j'adore ça. L'hiver, oui, ski cross, board à cross, parce que c'est du vélo sur la neige. Après l'été, ouais, dans tous les sports, dès qu'il y a un peu de confrontation, que c'est un peu la guerre et tout, ça me plaît. Voilà, quand il y a des Français qui marchent, forcément, on s'intéresse encore plus. Les sports co pas mal aussi, parce que même s'ils ont plusieurs matchs machin, il faut quand même être présent. Et je me suis régalé à voir le hand, le volley, les hommes, les filles, là, cette année. Mais comme Usain Bolt parce que okay, il faisait le 100 et le 200, en tout cas il gagnait à chaque fois le 100, il faut être présent 10 secondes tous les 4 ans, être là 3 fois 9 secondes, 6 sur 8 ans, chapeau.